moyen et sous-régional dans l'architecture événementielle, SFM Bâche vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, tribunes, abris classiques, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres. Bureau commercial, si à la Riviera Palmeraie, route de Bégerville, Carrefour, Ferronnerie. Contact 22 47 12 96 07 07 47 37. SFM Bâche, votre événement, notre engagement. Yo la famille, bienvenue sur ma chaîne. Comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. C'est votre même serviteur Irritor. Bon, aujourd'hui, on va parler des Booba et Caris. Booba et Caris, apparemment, le clash n'est pas prêt de finir maintenant. Bon, pour l'instant, on dira que c'est Booba, celui qui est en train de faire le clash. Mais en fait, je fais cette vidéo-là pour réagir un peu sur ce que j'ai vu. Parce que je suis les deux artistes sur les réseaux sociaux. Et je crois récemment, il y a deux ou trois jours, Booba a fait un post comme quoi, depuis... la chute du doigt, du diable, quelque chose comme ça. Il y a une rime de trucs Caris dans le featuring Kalash là, qu'il a pris, qu'il a mis en statut par rapport à leur truc bastonnade, à l'altercation à l'aéroport d'Orly, pour envoyer au moins une pique, pour envoyer enfin une pique à Caris, mais Caris n'a pas réagi. Et dernièrement, ce qui m'a choqué, c'est, on va dire, le poste de Caris. Vous avez vu, je sais pas si vous avez vu avec moi, Caris a fait un poste quand il était tout petit. Je crois que c'était de l'eau chaude ou bien de l'eau chaude qui était versée sur lui, ça va brûler son œil et tout un côté là. Où il avait dit depuis l'enfance, on lui a dit qu'il ne verrait pas des deux yeux, mais il a batté, il est là jusqu'où il en est en fait. Et bizarrement choqué, je vois Booba commenter va à l'infirmerie en fait. En fait, le truc, la pique qu'il a envoyé à Caris quand ils étaient à l'aéroport de Lille, il a refait ça encore. Sous le poste de Caris. J'étais très choqué, je me suis dit, bon, le mec, c'est quoi? Il est fou bien? Il s'en fout bien? Bon, c'est vrai que tu as tes fans qui vont toujours te supporter dans tes bêtises, mais je me dis que pour quelqu'un qui sort d'un problème judiciaire, il se calme. C'est vrai que tu as beaucoup d'argent à dépenser à la justice, mais c'est pas le cas de Caris. Caris, c'est maintenant qu'il a commencé à se faire du blé. Donc, laisse-le petit économiser son argent, en fait. Voilà. Donc, moi, en fait, je fais cette vidéo-là pour dire, Booba, que tu es le plus âgé de tous, tu es le plus ancien de tous dans ce game-là, et Dieu merci, tu tiens toujours, et tu es toujours à la une, tu es toujours, on va dire, d'actualité. Faut pas avoir une triste fin, voilà, à force de vouloir rester dans les classes, les gens vont s'enlacer de toi, voilà, les gens vont vraiment s'enlacer de toi, parce que c'est pas intéressant. Quand on va clash, on va forcément Booba, quelle image tu donnes? Ça a marché un moment, mais arrivé un moment, ça va plus marcher, en fait, voilà, parce que moi, par exemple, si j'étais Caris, j'allais juste screenshoter ton commentaire, et aller à la justice. Parce que normalement, on vous a donné certains avertissements, tous les deux, de ne pas quelque chose, je sais plus. Mais franchement, c'est pas intéressant. Le mec, il a fait son poste, il t'a pas indexé, il parlait de son enfance. Et toi, après un problème que vous avez eu, un gros problème que vous avez fait 30 jours de prison, et avec des amendes qui ont suivi et tout, toi, tu viens faire un commentaire comme quoi va à l'infirmerie. C'est pas ton pote, t'as pas besoin de commenter sa photo. À la justice, on dirait que c'est une provocation. Donc, c'est les choses à éviter, les choses ludiques. C'est vraiment les choses à éviter. Moi, je suis vraiment, vraiment pas d'accord avec ça. Et ça m'a vraiment choqué. J'ai un artiste que j'aime bien dans le rap, mais ton univers clash, vraiment, je déteste. Parce que j'ai l'impression que tu veux tout contrôler. Or, tu peux pas tout contrôler. Voilà, tu essaies de contrôler Caris jusque-là. Tu n'as pas encore pu. Lâche les baskets au petit. Il va faire sa petite carrière tranquille. Tu as déjà amassé de millions d'euros comme ça. Faites truc, t'as travaillé aussi de ton côté, et puis à bas les clashs en fait. Voilà. Une autre chose, il y a un truc que je comprends pas aussi, les amis, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Hein. Caris et Booba sont pas amis, ils se détestent à mourir, c'est ce qu'ils nous montrent sur les réseaux sociaux, et même c'est arrivé aux mains à l'aéroport d'Orly. Mais pourquoi Caris et Booba ne se bloquent pas sur Instagram, ne se bloquent pas sur les différents comptes réseaux sociaux? J'arrive pas à comprendre, je sais pas si c'est un business, c'est un deal entre les deux. Mais franchement, c'est louche. Parce que moi, quelqu'un, tu passes ton temps à m'envoyer des pics en commentaire ou bien par poste, je te bloque. Je cherche même pas à te visiter. Ici, tu me visites, mais tu verras rien de moi, en fait. Je préfère, mais ils ne le font pas. La question reste posée. Si c'est un deal, on le découvrira tôt ou tard. Voilà. Donc, famille, c'était ma vidéo du jour. Dites à Booba de se calmer. Il a dépassé la quarantaine maintenant. C'est plus un enfant. Donc, il faut qu'il s'assagisse. Salut à tout le monde. Ciao, ciao, que Dieu vous bénisse.